Le président Assad affirme « Le changement des positions internationales n'a pas de valeur si l'on ne cesse pas le soutien au terrorisme ». L'armée domine la ferme de Malha sur la route de Palmyre et vise les terroristes dans les banlieues de Daraa et de Homs. Ouverture de l'exposition documentaire à la Syrie juste avant la pointe de l'aube dans la maison Al-Assad pour les arts et la culture. Après-midi, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a affirmé que le côté économique fait partie de l'agression menée contre la Syrie à travers le blocus imposé au peuple syrien et la destruction des infrastructures. Au cours de son entretien avec Ali Tayeb Nia, ministre iranien de l'économie et de des finances, le président al-Assad a fait noter que le soutien des pays amis, dont à la tête l'Iran, avait un grand effet sur la fermeté du peuple syrien. Le président al-Assad a affirmé l'importance de la continuité des relations stratégiques au niveau économique entre la Syrie et l'Iran, soulignant la nécessité de mettre une structure claire et des mécanismes de travail pour la coopération économique entre les deux pays. Le ministre iranien a affirmé que les liens communs entre son pays et la Syrie dans tous les domaines sont larges et enracinés. L'Iran est prêt à transmettre à la Syrie ses expériences dans les domaines du développement et de la technologie, a ajouté le ministre iranien. À la fin de cette rencontre, le président al-Assad a fait une déclaration à la télévision iranienne. Répondant à une question sur le changement des positions de certains pays hostiles à la Syrie, ces pays disaient que pas de solution qu'avec le départ du président al-Assad, alors qu'ils disent aujourd'hui que le maintien au pouvoir du président al-Assad est nécessaire pour la solution. Le président al-Assad a dit que c'est seulement le peuple syrien qui est en mesure de décider de cette question. Tout ce qui a été dit depuis 4 ans sur ce sujet ne nous concerne point, a ajouté le président al-Assad. Au sujet de l'appel de Kerry à un dialogue avec le président al-Assad, le président a répondu que nous entendons seulement des déclarations et qu'il faut attendre les faits pour en décider. Répondant à une question sur les perspectives de la situation en Syrie, le président al-Assad a fait noter que pas de choix devant les Syriens que de défendre la patrie, ajoutant que tout changement international vis-à-vis de la Syrie dans ce cadre est une question positive si ce changement était crédible et tangible et commence par l'arrêt du soutien au terrorisme. Une unité de l'armée et des forces armées en collaboration avec les forces de défense populaire a imposé son contrôle sur la ferme de Malha située à 20 km au sud de Deir ez-Zor sur la route de Palmyre. De nombreux terroristes de Daesh ont été éliminés dans cette opération. Dans la banlieue de Daraa, une source militaire a indiqué qu'un rassemblement des groupes terroristes dans la partie sud de la colline Antar a été visé et que des terroristes ont été tués et d'autres blessés. Et dans la banlieue de Homs, des terroristes ont été éliminés près du centre culturel et de l'école industrielle à Rastan. L'Iran a réaffirmé son soutien constant à la Syrie et à l'Irak face aux groupes terroristes et dans tout effort déployé pour éradiquer le terrorisme dans la région. C'était par la voix du chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Hassan Fayrouz Abadi. L'Iran offre la consultation aux pays islamiques partant de sa conviction de la nécessité d'aider les pays islamiques dans les crises créées suite aux pratiques criminelles des terroristes, a affirmé Abadi. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé la disposition de son pays à faire des contacts avec le président Bachar al-Assad pour mettre fin à la guerre en Syrie. Dans une interview accordée à la chaîne CBS News, Kerry a ajouté que Washington insistait dès le début des événements en Syrie sur le principe de la négociation et de la transition politique pacifique. Kerry a clarifié que l'apparition d'un ennemi commun, qui est l'État islamique, a diminué la position de l'Occident vis-à-vis du président al-Assad. Il a affirmé que les États-Unis
Il a affirmé que les États-Unis étaient toujours prêts à négocier dans le cadre de Genève 1 2012, qui a prôné la négociation pour mettre fin à la crise en Syrie. Sous le patronage du président Bachar al-Assad, Madame Najah al-Attar, vice-présidente de la République, a ouvert l'exposition documentaire « La Syrie juste avant la pointe de l'aube » dans la maison al-Assad pour la culture et les arts à Damas. L'exposition contient des photos documentaires présentées par des partis officiels et civils sur les crimes et les attaques perpétrées par les réseaux terroristes armés en Syrie au cours des quatre dernières années. Cette exposition a deux enseignements très importants. Le premier enseignement, c'est que la mémoire syrienne, notre mémoire, va enregistrer éternellement les crimes abominables que les terroristes ont commis contre notre État, contre notre peuple. Le deuxième enseignement, que la Syrie va certainement retrouver son chemin de l'avenir, le chemin de la reconstruction de l'homme et la reconstruction de l'État et de la civilisation, et que la Syrie à nouveau va rejouer son rôle civilisationnel dans le monde. On supporte la Syrie, vive la résistance contre le sionisme et contre Israël, qui est contre le takfir, qui ne connaît ni la religion et ni l'islam. Dans une allocution prononcée par Madame Al-Attar à l'issue de l'ouverture de l'exposition, elle a salué l'assistance au nom du président Bachar al-Assad qui fait face aux conspirations tramées contre la patrie. Madame Al-Attar a de même souligné que tous les Syriens sont contre les terroristes takfiristes et contre leur terrorisme destructif. En outre, Madame Al-Attar a fait noter que cette exposition vise à ce que nous soyons tous témoins de l'ampleur de la criminalité actuelle en Syrie. Elle a de même dénoncé l'oubli par les leaders arabes de tous les sens de la solidarité et de la fraternité et des liens historiques et culturels, tout en critiquant certains intellectuels syriens et arabes qui ont oublié ce que les terroristes avaient détruit en Syrie. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Assad affirme que le changement des positions internationales n'ont pas de valeur si l'on ne cesse pas le soutien au terrorisme. L'armée domine la ferme de Malha sur la route de Palmyre et vise les terroristes dans les banlieues de Daraa et de Homs. Ouverture de l'exposition documentaire La Syrie juste avant la pointe de l'aube dans la maison d'Al-Assad pour la culture et les arts. Je vous rappelle aussi que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.